matin! Aujourd'hui, je commence la vidéo avec des colis encore une fois. Là, je capote un peu ce matin, là, ma peau, elle a comme vraiment pas un bon matin aujourd'hui. Là, ça paraît absolument pas à la caméra, là, mais j'ai plein de boutons qui m'ont sorti, puis genre, j'en avais vraiment plus, là, depuis comme quasiment une semaine, fait que je suis vraiment fâchée. Moi, je sais pourquoi, là, parce que, en gros, j'avais essayé de faire un test, puis de couper un peu les produits laitiers, fait que tout ce qui était comme du fromage et tout, ça avait marché, mon acné avait vraiment diminué, parce qu'on m'avait dit que ça pouvait être en cause aussi. Mais, hier, j'ai mangé des trucs au fromage, et j'ai mangé un yogourt aussi, puis et voilà, ça a sorti le lendemain. Fait que ce matin, j'ai reçu 3 colis. En fait, je les ai reçus hier soir quand je suis revenue du travail, mais je travaillais jusqu'à 10h. Le premier colis que je suis comme vraiment, mais vraiment trop excitée, c'est ma nouvelle paire de lunettes. En gros, vous savez que moi, je suis vraiment une grosse fan des montures de chez Bon Look. J'ai acheté ma paire de lunettes là. J'ai la Nadine en noir de la collection Marie-Pierre Morin. Je l'avais achetée en juin dernier, je me rappelle bien, donc ça fait vraiment pas longtemps. Parce que oui, j'aime ça changer de lunettes comme si je changeais de vêtements, je sais pas si c'est normal, mais bon. C'est exactement le même modèle, c'est les Nadine de chez Marie-Pierre Morin encore une fois, mais je l'ai pris dans le pink tortoise. Ah, puis en passant, j'ai oublié de vous dire, mais mes cheveux sont pas gras, c'est que je viens de mettre le traitement huile d'Alaïs de chez Phyto dans mes cheveux. C'est comme un pré-shampoing qu'on met pour enlever tous les produits dans nos cheveux. Travailler sur plein d'affaires, fait que c'est comme bourré de huile essentielle, fait que j'ai mis ça à ma racine, donc mes cheveux ne sont pas gras. Là, je viens juste de finir de me maquiller, j'avais apprêté à filmer bientôt, fait que j'avais Netflix et j'ai commencé à écouter l'émission Gilmore Girls et je sais pas si je suis la seule, vous me le direz en commentaire, mais pour vrai, j'avais jamais pensé que j'allais aimer ça. Pis je capote, genre je suis rendue à la saison 1, épisode 19 là, pis je trouve ça tellement bon, c'est vraiment fifi, fait que c'est pour ça que j'étais réticente parce que d'habitude, c'est pas tant mon genre d'émission. Honnêtement, c'est comme vraiment 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 super bon. Là, je vais juste me faire les cheveux parce que je me suis lavée pis là ils sont vraiment dégueu. Et puis je vais filmer mon guide de cadeaux parce que là je suis vraiment en retard pour vrai, là, il est rendu comme 2h, j'ai pas encore filmé, ma vidéo est en ligne à 5h. Va vraiment falloir que je rush faire le montage, fait que je vais limiter à l'instant. C'était vraiment rapide, je suis super contente. Fait que là, je vais aller me mettre au montage tout de suite si je veux que la vidéo soit bel et bien en ligne à 5h tantôt. Et pour vrai gang, je suis vraiment en amour avec mes lunettes. Genre, je les trouve vraiment belles. Là, il est rendu vraiment plus tard. Comme vous voyez, je me suis mis en mou. Et puis, je suis allée magasiner des petits cadeaux de Noël. Là, je vais faire un message très important à ma mère. Parce que ma mère regarde mes vlogmas des fois. Donc là, maman, tu regardes plus. La vidéo t'arrête maintenant, tu sors. Fait que ma mère, elle voulait depuis longtemps des petites boucles d'oreilles qu'elle peut mettre vraiment là, tous les jours, des genres de petits studs. Parce que là, ses trous d'oreilles sont en train de se refermer ou je sais pas quoi parce qu'elle n'en porte jamais. Fait que je suis allée au Swarovski! Je sais pas si ça focus là, mais les voilà! C'est vraiment des petits diamants puis ils sont en silver aussi. Fait que j'espère qu'elle va être contente. Si ça fait partie de son cadeau, j'y ai acheté 2 autres petits trucs là. Et pour ceux qui veulent savoir, là, en gros peut-être que ça peut vous donner des idées là. Mais plus basique, j'y ai acheté un foulard noir parce qu'elle vole souvent le mien. Fait que j'en ai acheté un pour elle. Puis sinon, j'y ai acheté aussi un cours de cuisine qu'on va pouvoir aller à deux ensemble. Je pense que c'est une bonne idée là. Je pense que ça va vraiment être le fun d'y aller ensemble. Donc voilà. Maintenant, Béatrice, ma chère amie. Sors de la vidéo parce que je vais montrer une mini partie de ton cadeau. Puis là, genre, juste faire confiance, ok? Fait que t'arrêtes de regarder maintenant. J'ai créé une espèce de ultimate best friend bucket list. Fait que c'est comme tous des trucs que j'ai marqués. Puis qu'on va pouvoir cocher. Genre, j'ai fait des petits trucs comme ça, là. Je suis vraiment excitée, ça me rend vraiment de bonne humeur, moi, comme acheter des cadeaux aux autres. Comme vraiment plus qu'en recevoir. Je sais que ça peut paraître quétaine puis tout le monde peut dire ça là, mais pour vrai là, moi je trouve que c'est le meilleur feeling au monde. Donner un cadeau à quelqu'un puis voir comme son excitation, un gros sourire dans son visage et tout là, ça vaut vraiment de l'or pour moi. On va se revoir demain pour une assez grosse journée là. J'ai déjà fait une grosse liste de choses à faire et de commissions et tout. Je sais que demain c'est ça, j'allais faire des petites courses encore pour Noël. Puis le soir je m'en vais souper avec ma meilleure amie et on va filmer un yoga challenge part 2.
donc avec Béatrice. Ok, je pense que ça va vraiment être drôle, donc restez à l'écoute pour le Vlogmas de demain, je pense que ça va vraiment être le fun. Fait que d'ici là, prenez soin de vous, je vous aime fort 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 et bye!